Si c'est tout fracassé comme ça. Mon Dieu. Ça, c'est un coup de flotte. Allez, on y va. Là, je vais attaquer la plus dure descente. Je vais faire une coupure là en bas. Parce que j'ai la robinette au milieu là. Allez, c'est parti pour la descente. Le plus dur, c'est la gravasse là. On ne peut pas s'arrêter, ça glisse surtout. Pas la fin que tu veux. Donc là, j'aime pas. Super. Parce que les cailloux, c'est aussi bien. Je pense. Hop, no turn, je sais pas faire. Pas encore. Ouais, ça glissera moins. La bonne roche bien dure. Mais va jusqu'au pont là-bas, puis ça rejoint au long, c'est pas loin, c'est juste derrière. Et moi je vais pas jusqu'au pont. Et là j'ai vu la dernière fois qu'il y avait un petit micmac là-bas, sur la bouche. Ça passe plus comme avant. On va voir ça un peu. Il y a le choix haut et bas. Je vais essayer de voir un peu là. Là, je sais que tout droit, j'arrive pas à tourner. Ah ouais, à gauche, c'est pas top. En bas, il y a une énorme marche. Là, est-ce que ça passerait? Ouais. Là, surtout pas louper le chemin. Le virage, il est là. Avec la vue d'ensemble de Mont-Vallon. Qui remonte jusqu'au pied de la falaise là-bas au fond et ensuite à gauche. Et le pont, il est là. Et le chemin, il fait là, de la C, il passe là-bas et il y a un tout petit pont là-bas derrière aussi qui est joli.
ça c'est à pied. On arrive à la falaise. Une jolie grotte tout en haut d'ailleurs. Une ouverture bien ronde. Il y en a même plusieurs sur la façade là-bas. C'est joli ce petit chemin qui remonte. Et au pied, je vais tourner à gauche. À droite, c'est Niolon, ville directe. Il y a 200 mètres de single. Et voilà, je reviens sur le plateau qui est là. Et là, la bifurcation que j'ai fait tout à l'heure pour monter par le sentier des crêtes. Et je viens là-bas. C'est dur la montée là, hein. Là, il n'y a plus que ça, puis après c'est du faux plat. Alors, résumé, 8,5 de moyenne, 480 des plus, 1h48 de roulage, 15,5 km. La vache, c'est pas rapide. Mais bon, les descentes, eh ben, elles sont pas rapides. Elles sont à la même vitesse que les montées. Et voilà, et la voiture est juste là en bas au parking. Je suis content d'avoir fait avec ce vélo là. 27 pouces et demi. Hein. Et en fait, je voulais comparer avec le Vintrec 26 pouces, hein, plus longtemps. C'est quand même bien plus rapide le 26 pouces dans les montées. Beaucoup plus facile à amener. Les descentes, c'est bien aussi. Moins rapide que celui-là, c'est le Capra, mais bien aussi. Allez, ben la prochaine.